Bonjour à tous et à toutes. En ce moment, il fait très froid et je vous invite à réaliser ce bandeau qui vous tiendra très chaud et qui sera très élégant à porter. Et toujours avec du recyclage, vous allez prendre un vieux pull, un vieux sweat, quelque chose que vous ne portez plus. La largeur de la bande est de 16 cm. Nous allons rajouter 1 cm de chaque côté. Ça fera 18, 18 de large. Mesurez le tour de votre tête. Là, ça fait 53. Donc, ça sera 53. Vous ne rajouterez rien du tout. Je vais couper la manche de ce pull. Remettez à plat sur l'envers apparent pour pouvoir tracer la valeur du bandeau. La largeur ici sera la largeur de votre bandeau et la longueur sera donc la mesure du tour de votre tête. Petit retour de 0,5 et un autre retour de 0,5 et vous allez piquer tout le long. Vous allez coudre la largeur ensemble en mettant endroit contre endroit. Épingler et vous allez piquer cette largeur à 1 cm du bord. Retournez sur l'endroit, couchez la couture vers le côté et vous allez venir tout le long, une surpiqûre, la valeur du pied presseur. Coupez une bande de 14 cm de longueur pour 5 cm de largeur. Vous allez la mettre au milieu de la couture pour la cacher. Sur l'envers, épinglez, pliez, venez poser par-dessus, maintenir avec 2 épingles et vous allez venir coudre cette partie de là à là à la main. Prenez votre fil, vous le doublez, petit nœud. N'oubliez pas à la fin de faire un nœud, un double nœud, et vous coupez. Suivant votre choix, vous pouvez rajouter un galon. Un bijou, rajouter de la dentelle. Pour les finitions, vous êtes libre à vous de voir suivant votre imagination et vos goûts. Vous l'avez fait, vous avez vu? Pas difficile. Et on se dit quoi? On se dit à la prochaine, bien sûr. N'oubliez pas, un petit like, un commentaire et surtout, abonnez-vous.